Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de Porto, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À la belle, sa belle, l'aime nous connaît que nous-mêmes, c'est petit bon Dieu et que nous avons contact directement avec Dieu. Il parler avec nous-mêmes, nous parler avec elle, nous communier avec elle. Situation comme ça, t'es fait que David t'es passé la majeure partie de temps lié à battre bravo pour bon Dieu. Parmi les 73 psaumes que David écrit, majeure partie dans lui-même, c'est des chants d'exaltation, de glorification, d'adoration, de louange pour bon Dieu. Ça qui fait l'honneur pour le traiter avec. T'as habité toute vie, il dit, dans la maison de l'Éternel. Et on a un verset de David que nous citons souvent dans le programme Silla, qui presque tout notre thème, non, c'est psaume 118, verset 24, à côté. Salmis l'a dit, c'est ici la journée, nous même n'a dit la soirée ou bien la période que l'Éternel a faite. Nous va livrer nous à la joie et à l'allégresse, nous va exprimer reconnaissance envers Dieu et nous va renouveler engagement pour nous servir lui avec ardeur et sincérité et persévérance. Chers amis, nous sommes très contents que nous capables ensemble à soirée pour notre période d'études bibliques. Nous espérons donc que vous prêtez attention à l'étude à soya et que bon Dieu va parler à cœur ou à travers paroles que il va mettre dans bouche nous pour nous-mêmes. Si vous connaissez Jésus-Christ déjà comme sauveur ou en temps difficile cela yo, on va souhaiter que le programme nous aide à raffermir foi ou espérance ou mais si vous connaissez Jésus-Christ que bon Dieu aide ou saisir l'occasion cela pour bal vie ou de telle manière que au cas bien des lendemains qui chantent. L'apôtre Pierre, il y a des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. On va essayer d'être nous pour nous prier. Ô Éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce qu'on accorde nous lorsque vous acceptez nous comme petit tout depuis nous t'ai adhéré à message de Jésus-Christ comme sauveur. Depuis le Saint Seigneur, nous marchons en nouveauté de vie. Nous en bas, Dieu, d'une façon très spéciale. Nous mettons sur nous-mêmes pour veiller sur nous. Et plus particulièrement, nous parlons à cœur nous en temps et hors de temps. C'est dans le contexte Saint Seigneur que nous avons abordé l'étude parole. Nous espérons qu'on va rendre quelques points lumineux, clairs pour chacun de nous. Chacun de nous, et on va permettre au Seigneur que le monde qui vous connaît, à travers l'étude, il va décider puis placer pied ou par la foi dans la marque des pas de Jésus-Christ. Si nous prions qu'on s'assoie, Seigneur, il va que nous mériter grâce à eux. Mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Programme si la soeur nous dédie spécialement à Sœur Isli Valsema, de moi qui a fêté anniversaire, je vous dis. J'ai écrit ça dans un texte matin. C'est un monde qui a des dons extraordinaires. Il combine un statut d'étudiant. Il travaille comme clinicienne dans l'hôpital. Et ça peut empêcher lui à quitter les... très bien de voir de madame
pas de madame seulement, de madame pasteur, ben, qui est très exigeant, et de mère de famille. Dans l'occasion, c'est là, l'occasion anniversaire, les, moi, dédié le programme, c'est là, je souhaite encore heureux anniversaire, et m'espérer donc que bon Dieu va qu'aimer madame, c'est là à côté moi pendant plusieurs années, et jeter sur lui-même des grâces spirituelles et temporelles. La dédié programme, c'est là tout, à une fervente auditrice, non, bien téléspectatrice, non, c'est Sœur Pierre Camille Toussaint, qui a suivi nous dans l'Ouest États-Unis. Nous souhaitons donc que Sœur Camille Toussaint soit capable de tirer un bon parti du programme nous à soir. Nous allons ouvrir Bible, mes bien-aimés, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 15. Et là, Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec retenue, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Avant de nous passer à l'étude de soeur, c'est ceux-ci même que va l'inviter pour chanter. Ceux-ci sont nos guigons, voix extraordinaire. Et on nous entendait cette belle voix à l'occasion de Joussila, jour anniversaire de lui-même. On nous entendait donc ceux-ci qui a chanté pour nous-mêmes. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé Jésus-Christ dans la paix profonde là, même si que le trouve un très bon mari tout. On nous entendait ceux-ci, leur chant spécial. Ok, ceux-ci sont chantés pour nous et pour un couplet de l'Éternel pourvoira. Et qu'il y a la parole passée, à chant que nous t'annonçons, j'ai trouvé la paix profonde. Et mon gars dit, ah bon, parce qu'il y a besoin d'entendre madame qui a chanté plusieurs chansons pour à l'occasion de l'anniversaire. Nous entendons, j'ai trouvé la paix profonde.
Encore une fois, nous disons un grand merci à Sœur Isley qui chantait pour nous dans le jour anniversaire. Et nous disons merci toi, organiste nous, Sœur Rose Valsin. Et il chantait, sais-tu que la vie est belle, organe Jésus-Christ. Même si dans le jour anniversaire, tout l'a dit en bas, sais-tu que la vie est belle avec le docteur Valsin comme mari. All right, Sœur Isley, one more time, happy birthday. Et nous étudier Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et la souffrance, la Bible et les pandémies. À ce moment, on t'a aimé parler de la Bible et de la gestion du temps. La Bible et la gestion du temps. Connais-nous toutes, nous enfermés dans le temps. Et c'est extrêmement important que nous parlions du temps, comment nous gérons le temps. Nous nous sommes temps de Paul, qui a dit à Chrétien Ephésio, et pas avoir les conséquences à nous-mêmes. Dans Ephésiens 5, verset 16, racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Il y en a un bagage que nous connaissons, c'est que bon Dieu place nous dans le temps. C'est lui-même qui crée le temps. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 5, 8, 13, 19, 23, 31, nous avons la même phrase là. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour. Avec bon Dieu place nous, non cycle, côté bien jour. Mois et années. Le temps donc, c'est une plus grande richesse que bon Dieu ben nous. Et d'ailleurs, si nous avons un petit résumé rapide de ça, nous sommes là. L'apôtre Paul a parlé de sagesse, comment de conduire avec sagesse. Et il y en a marre que le bail pour sagesse là, c'est apprendre à racheter le temps. Apprendre à faire le plus de choses possible, non tant que. Parce que les jours sont mauvais. Il y en a un que bon Dieu fait, il fait notre la même quantité de temps. 24 heures dans une journée, 60 minutes chaque heure. De temps en temps, on a dit, mon abdou, pas de temps, mes amis étaient tellement occupés. Bon, nous n'avons pas dit que pas de problème, c'est là. Mais généralement, on pas de moins qu'on l'autre. Et on n'a pas café non plus pour être capable. Longer le temps. Ça fait que le monde qui est sage, on emploie l'expression Paul encore, c'est le monde qui connaît comment être capable de tirer le plus grand nombre d'avantages de temps qui est imparti à lui-même. Le monde qui est sage, c'est le monde donc qui connaît que le temps, c'est un bagage qui est précieux et on doit utiliser lui avec un pile prudence. Et avec productivité. Et généralement, théologiens m'ont parlé, prédicateurs, théologiens m'ont parlé de temps, j'en aurais employé moi, avec opportunité que bon Dieu offrit, que vous pensez qui traduit mieux par le mot kairos, opportunité. Et moi, que nous tous entendons l'expression maximize, des opportunités, maximize the time. Il suffit, maximum, il suffit, tirer le plus grand parti, le plus grand profit de une situation. Maximize de moment, suggérer que ou pas gain temps pour perdre, faites tout ce capable dans le même temps que ou gagne. Songez comment Mardoché était dit à Esther, selon Esther 4, verset 14, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Là, on a perdu du temps, c'est pas grave, parce qu'il y a du temps qu'on va jouer encore. Ou là, je dis à Oren, pourtant ça, pourtant difficile ça, bon Dieu, mettez-vous là, au gain, d'après Mardoché, pour faire le meilleur de vous-même. Vous que nous toutes, nous avons une expression qui dit le temps perdu ne se retrouve jamais. Très souvent, nous gâchons l'opportunité. C'est le monde qui est pour aller à l'école, pour aller à l'université, ou bien pour aller apprendre un métier, une profession. Ils n'ont pas fait ça à temps. Et puis, lorsque vous avez 40 ans, 45 ans, vous avez la vie comme ça, battre. Vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de ça vous avez. Et puis, vous voulez retourner. Dans un pays comme les États-Unis, il est facile pour retourner, mais ce n'est pas sans peine, parce que dans la majeure partie des cas, nous parlons déjà, il y a un petit monde, il y a deux, trois petits mondes, on va occuper petit monde, on a un travail.
et pour aller à l'école pour un bagage côté café il y a de cela 30 ou 40 ans, 20 ans, 25 ans. Qui sait, c'est pas pour un temps comme ça que bon Dieu place là. Malheureusement, pile de dans nous-mêmes fait un mauvais usage du temps. L'aime de nous-mêmes, dans pile dans nos cap côté là. Moi-même, tout parfois, pour qu'on garde ça, on fait dans 1 heure, 2 heures, c'est une véritable perte. Voltaire te dit qu'il y a 4 façons de perdre du temps. C'est là où on ne fait rien, c'est là où on fait bagarre mal, c'est là où on ne fait ça, on te doit faire, et là où on fait lié à contre-temps, c'est-à-dire où on ne pas faire longtemps qu'on te doit faire là. Et chaque fois qu'on perd du temps comme ça, on paye un prix pour lui. Comme nous-mêmes, ces lecteurs de la Bible, nous ne pouvons pas oublier cette parole de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 9, versets 4 et 5, Femme fait couler à même, travail papa. Parce que la nuit pour venir, tout le monde pas qu'à travailler. C'est dans l'autre économie, l'économie du temps de Jésus-Christ, le monde pas travailler la nuit. Couler à nous travailler la nuit. Mais nous tous à reconnaître que y a de l'heure, on fait un bagage la nuit. Que vous n'êtes pas accompli pendant une journée, hein, si vous pas tant si gens, lambin, dolent et paresseux. Tandis que je suis dans le monde, Jésus-Christ dit, l'elfine dit parole, femme fait, ça me doit faire, parce que la nuit vient, il dit, tandis que dans le monde, moi-même, c'est la lumière du monde. Gestion de temps extrêmement importante parce que la vie nous coûte. Séjour sur la terre, chers amis, il est beaucoup plus court, oui, que nous, t'avais quoi. Jean-David dit, David emploie une expression qui est intéressante, il dit, bon Dieu, ou bail à joindre la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Les mon petit monde ont l'impression que pour l'année passée, son pile temps, ou peut-être qu'il y a un privé pour bien cadeau de Noël 1er janvier, il traîne. Pourtant, qu'on batte le grand mon coup de jour avec, qu'on nous batte genoux. Nous, année a passé. Et ça fait l'apôtre Jacques dit, mais qui ça vit nous y? Son vapeur qui paraît pour un instant, un peu de temps, et qui disparaît ensuite. Jacques 4, verset 14. La vie nous sur la terre, son souffle, son petite fraction, l'on considère lui par rapport à l'éternité. Et ça fait que pour nous faire volonté mon Dieu, pour nous vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire meilleur usage de temps que bon Dieu ben nous. Nous avons prié que Moïse quittait pour nous dans le psaume 90, dans le verset 12, il dit, Enseignez-nous pour nous bien compter jour, nous, afin que nous capables d'appliquer cœur, nous, à la sagesse. Donc, vive chaque jour, chers amis, avec Dieu qui a contemplé l'éternité, qui a pensé à l'éternité, c'est une bonne façon d'apprendre la sagesse, parce que nous n'avons pas venu sur la terre pour nous rester, j'en ai là. Salomon dit non dans Ecclésiaste 3, verset 11, que bon Dieu plaçait dans le cœur nous la pensée de l'éternité. Nous ne pas vivre seulement dans le temps, nous appelons à vivre dans l'éternité. Et si vous avez douté de ça, vous avez pensé seulement parole prédicateur, René Descartes, philosophe dans le 17e siècle, dit, moi j'ai dans moi-même le sang de l'infini. Donc bon Dieu plaçait le sang de l'infini, la caille pour que nous connaissions, nous devons utiliser le temps correctement, sagement. Parce que si nous utilisons le mal, nous avons pris à payer dans l'éternité. Il y a un penseur théologien fameux dans le siècle passé, C.S. Lewis, il dit, si vous étudiez l'histoire bien, vous découvrez que le chrétien qui agit plus dans le temps présent, dans le temps qui était accordé à vous-même, c'était celui qui était plus pensé à monde à venir. Donc, Lewis s'établit en corrélation, en relation très étroite entre le zèle dans le travail de Dieu de certains, autrefois, et la pensée de l'éternité. Ça fait que, évidemment, on doit penser à la mort chaque jour, de temps en temps, après la mort venir. Nous connaissons que Philippe de Macédoine, papa Alexandre le Grand, t'es payé monde pour venir réveiller chaque matin pour dire, Sa Majesté, au cas où je veux dire. Bah, qu'on a besoin pour extrême ça, mais nous devons veiller comment on a conduit tête nous sous terre ça, comment on a comporté nous, pour l'employer le mot circonspection, Éphésiens 5, 15 à 16, veiller comment on a pu vivre,
pas vivre comme un fou, mais vivre comme sage. Pour qui ça? Parce que tant il y a mauvais, je suis mauvais. Et vivre comme des sages signifie gérer tant, non. Bien gérer tant. Qu'on est que le temps s'écoule rapidement. Et utiliser tout ça qu'on est capable, en d'un temps, s'il a passé rapidement, pour faire plaisir à Dieu et pour aider les autres. Parce qu'il y a une constatation que nous sommes capables de faire sur nous tous, sur la vie, nous, c'est que responsabilité et pression de monde, s'il a attiré l'attention. Une bonne influence qui a exercé sur nous à gauche à droite, par télévision, par commercial, qui fait que nous tous nous sommes capables de reconnaître que souvent nous perdons du temps dans des distractions qui sont totalement futiles au dépens de un bagage qui a une valeur éternelle. Je viens là pour me dire que je ne parle pas de sport, pour ne pas faire sport, pour ne pas suivre la télévision. Mais que de l'homme bien aimé, nous devons reconnaître que nous perdons du temps. Un bagage qui n'a pas tellement contribué à l'élévation. Mais ça fait que il y en a pas que moi avant nous besoin faire, c'est fixer priorité. Qui ça qui est réellement important? Qui ça que me doit bailler plus attention en vie? Comment me doit utiliser nombre de temps, nombre d'heures, de minutes, de secondes que me gagne pour journée, pour ce maintenant, pour moi? Il y a mon qui dit que on pas temps mal l'église parce que c'est travail. Pas oublier, bon Dieu créé le monde en 6 jours, il repose 7e jour. Ça veut dire qu'on établit un rapport entre travail et repos. Et repos, c'est là, quand utiliser de plusieurs façons. Il y a une façon dont on doit utiliser, c'est dans le ressourcement spirituel. Travail, pas de limiter la sarque que nous fait seulement pour gagner notre pain. Nous devons assurer nous tout que, étant notre travail, mais par-delà le travail, nous fait bagaille tout qui a contribué à la gloire de Dieu. Jésus-Christ parlait de trésors célestes, de richesses célestes, Matthieu 6, 19 à 21. Si on passait tout le temps à travailler seulement pour les biens terrestres, on craint que Paul parlait Léo, il y en a un monde qui est parmi les plus malheureux de tous les hommes. Que le question de relation, non, que nous avons relation avec eux, de travail, non, de études, non, de service, non, de formalité administrative, de soins de corps, non, de loisirs, non, non, pas à oublier que nous devons d'abord concentrer nous sur Dieu, parce que c'est lui-même qui mettait nous sous terre, ça, c'est lui qui nous tend, et nous devons nous rendre compte de façon nous gérer tant. Ce qui est important, mes bien-aimés, c'est que nous besoin de prendre tant tout. Nous devons consacrer du temps pour nous capables de gagner contact avec bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui équipe nous pour tâches. Que nous devons remplir le monde. Nous mettons à point l'école, à point l'université, nous faisons ça, nous capables. Mais il y a Dieu, il y a le facteur Dieu que nous devons oublier. Et tout le temps, on dit dans l'église là que l'organe n'a pas l'anglais après 25 ans, 30 ans. La longueur ici de 25 ans, 30 ans. Nous connaissons l'anglais dans l'école, dans texte ou papier. Mais qu'on n'a pas l'apprendre, l'anglais n'a pas le fonctionner là-dedans. C'est pas tout le temps que nous faisons le bien que l'autre. Mais pourtant, les bons dieux voulaient. Ils décidaient que c'est nous-mêmes qui chef d'entreprise là. Nous avons des gens qui sont professeurs à l'école. Nous avons des gens qui sont social worker, qui infirmière, qui médecin, qui avocat. Ils n'ont pas parlé avec Gouaxan. Mais bon Dieu te permette que vous arrivez côté river. Donc, si vous arrivez là, amis, que vous ne reconnaissez que c'est bon Dieu qui marche avec vous-même, ou doit on partir dans la vie, ou doit la reconnaissance, ou doit le service, ou doit utiliser le temps pour gloire et tout. Mon cher, ou pas aussi intelligent que le monde capable de penser qu'on est intelligent. La Bible a raconté une histoire d'un homme, une parabole, que les paraboles du riche insensé dans l'évangile selon Luc, chapitre 12, 16 à 21. Next, ça me le type du capitaliste 19e siècle là. Parce que celle ça qui intéresse, c'est le jeu. Je vais bâtir tant moi-même, je vais récolter, faire ceci, cela, je vais bâtir grenier, je vais ouvrir de plus grands jeux.
Faut qu'on relève dans cinq passés le capitalisme sauvage pour faire à tout prix en rien pour travail social, en rien pour programme social de société. Je, moi. Mais Bible a relevé l'insensé. Ou à semer pour l'avenir, ou à ramasser, parce qu'on va passer en pile temps sous terre ça, d'après vous-même, ou à un grenier, ou à un dépôt, ou à un cahier de vacances, ou à un yacht. Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Ou pas qu'un contrôle sur le temps. Pas un contrôle sur le temps. Pour que ressources que mon Dieu va vous pouvoir utiliser comme ça, peut-être pas pour plaisir, pour famille. Le temps pas appartenir à nous-mêmes. C'est bien que mon Dieu va nous gérer. Et nous devons demander mon Dieu sagesse pour nous gérer le temps bien et laisser mon Dieu diriger nous sur route-là. Chers amis, si vous avez une sage dans la gestion du temps, pour vous heureusement des têtes, qui ça qui est important pour Dieu? Parce que la question du temps, il vaut nous à la notion de priorité. Qui ça qui est important pour Dieu? À qui ça me doit consacrer personnellement? Pour que bon Dieu compte avec moi. Comment me doit utiliser le temps d'une façon qui aide bon Dieu et l'œuvre de Dieu? Là, me dit aider bon Dieu, pas que bon Dieu besoin d'aide de l'autre. Comment agir dans la vie du Seigneur? Dans 24 heures que nous gagnons chaque jour, est-ce qu'on compte en temps de prière? Est-ce qu'on temps pour lire la parole de Dieu avant, sortir ou bien après, bah qu'on est, mais chaque jour? Dans 24 heures qui est parti à vous-même, est-ce qu'on pensait à l'édification du corps de Christ? Qui ça m'a fait pour l'église locale, l'église de Jésus-Christ, programme d'adoration, programme social, whatever it is? Qui ça m'a fait pour l'église ça? Non, gestion du temps. Est-ce qu'on pensait à mettre quelques minutes à part pour l'évangélisation? Quelqu'un va dire, mais non, pasteur, je ne vais pas prêcher. Je ne parle pas de prêcher, non, je parle de relon monde, parler de Jésus-Christ. Sous relon monde, vous faites le bon programme, si là, vous mettez en contact avec et chaîne ça, son travail, qu'on fait un travail d'évangélisation. Est-ce qu'on fait ça? Dans 24 heures, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, mais il faut en restant, oui, on a un loisir, mais combien on quittait pour mon Dieu? Nous devons vivre, chers amis, comme si chaque minute était comptée, parce que c'est car ça, chaque minute comptée. Pas venir dire moi ça que mon cher, je n'ai pas de temps. Ou pas de temps parce que vous avez l'autre bagaille plus importante. L'autre dans le monde, pas de temps, c'est pour demander qui ça l'a fait. Et là, prend toute bagaille, vous mettez ensemble, qui est-ce qui prend plus de temps? C'est ça que le dépiré meilleur. Priorité, son bagaille extrêmement important. Nous baillons plus attention à ça que nous pyrémions. Pour exemple. Pour exemple, il y a eu une Coupe du Monde qui fait en Afrique du Sud. C'est des matchs extrêmement importants. Il y a eu un match Brésil-Argentine fait entre samedi et dimanche matin. Parce que l'heure, mais pour le monde, 2, 3 heures, 4 heures du matin. Donc, dans pile haïtien, pile fidèle de l'église, que vous êtes capable de comprendre, restez un peu sur le match là. Moi, je me dis, record libre, monsieur Pita. Et puis, le monde va me faire ça, c'est choix. Et puis, là, arrivé l'église, le monde, si là, qui, parmi eux, il y a des leaders d'église, il y a dormi sous banc. Donc, qui ça a fait là? Il a établi une échelle de valeur. Il a établi une liste de priorités. Il a dit, Dieu, que, m'a dormi l'église là, mais ma là, m'a pas perdu. M'a besoin de repos, puisque m'a besoin de repos, m'a pas le reposer, il dans l'église là. Et puis, toi, quand le monde ça doit ça, il n'a pas bien temps du tout. Ça, c'est fatigué. Chers amis, à nous vivons comme si chaque minute comptait, parce que c'est comme ça le dernier. À nous faisons une liste de priorités, responsabilités, nous, comme nous voulons utiliser le temps nous chaque jour, et demander, bon Dieu, sagesse, pour nous connaître qui ça mérite de changer. Pour gagner 24 heures avec l'autre là, il va gagner plus passé. S'il y a temps pour le prier, pour lire la Bible, pour le consacrer à la ministère, pour le réunir au monde, au moins pour l'inviter à la programme ça, inviter le non-service de l'église, autant qu'à faire le tout. Et malgré tout, là, il fait sport. Bien sûr, sport à Kylie. Il va chaque bagaille au nombre de minutes sans le négliger. Bagaille qui va durer jusque dans l'éternité. Si vous amassez des trésors sur la terre, qui est capable de détruire la terre et la rouille, Jésus-Christ dit,
très mauvais usage du temps, c'est ça seulement qu'on gagne. Et ou malheureux, ou va malheureux. Il y a un peu de monde qui de temps en temps passe l'utilisation de temps en revue. Je fais ça à la fin de l'année. Dans ce deux qu'on fait pour couler à la à ce là. À ce là, essayez de garder 24 heures comment passer. Comment on passe dans le travail et reste là. Comment on passe et reste là. Et dites-toi que bon bagage qui mérite changer à ce soir. Fait. Prière, c'est là que Moïse t'a fait. Que je me cite déjà, que ma cité coule bien quand on a terminé. Mais dis bon Dieu, pour la prendre nous à bien compter jour, nous. Afin que nous capables d'appliquer cœur, nous. À la sagesse. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous voulons vous remercier pour attention à ce programme à soir. Donc, puis nous connaissons qui aiment mes programmes, nous connaissons mettre like, nous connaissons mettre share, tout le bagage là au bon. Mais ça, nous avons besoin de monde qui pour abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Qui vous fait ça, vous cliquez sur YouTube, et là sur YouTube, sur search page de YouTube là, vous écrivez Adonai Baptist Church, vous cliquez sur lui, et bien pour un mot subscribe là, qui s'y fait abonner, vous cliquez sur la cloche là qui est à droite là, et bien même là, ça, vous êtes membre de la chaîne si là, Adonai Baptist Church. Et vous avez droit à tout ça qui fait déjà, c'est bien qu'un programme que nous va faire au fur et à mesure. Mais il y a une chose qu'on fait d'un plus, on fait ça, pour aider des âmes qui étaient égarées à trouver le chemin de la vérité, le chemin de la vie éternelle, le chemin du bonheur éternel. Jean l'apôtre Jacques dit nous, dans Jacques 5, versets 19 et 20. Si vous aidez nous à gagner plus d'abonnés que ça nous gagne déjà, ça me mettait en situation pour nous mettre deux autres programmes. Et au soir, ça fait que dans tous 5 jours, Vrabio, Adonai Baptist Church a live pour parler avec vous-même, pour aider la prière, aider entendre la parole, aider comprendre la parole, aider méditer. Et la Bible a dit moi que bon Dieu a pris note de ça. Mais espérez donc quoi avec nous vendredi soir. Mais avant d'arriver vendredi soir à 9h, on va prier les 2-3 amis pour que vous encouragez. Puis venez abonner à Adonai Baptist Church. Nous espérons donc que nous allons voir très bientôt, que nous allons continuer ensemble à faire outil là. Et probablement vendredi soir, si vous n'êtes pas capable vendredi soir, nous attendons lundi soir à 9h. En attendant que nous arrivions à jouer ça, c'est prier nous que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle nous sommes appelés garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.